Congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau du territoire et partout se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kiko et dans les maisons communales de Massi, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le général d'armée Tshui Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a présidé ce mardi 7 novembre 2023 une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le chef d'état-major de la force terrestre. À cette occasion, le général d'armée Tshui Songesa Christian a annoncé la désignation sur instruction du président de la République, commandant suprême de FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du lieutenant général Sikawe Assinda Fall en qualité de coordonnateur des opérations au Nord Kivu, comme le précise ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Tshiwewe Christian, séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au centre conjoint de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouverneur militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant général Sikabwe Fall, commandant de la FARDC. Le chef d'état-major général de FARDC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et sécuritaire présentée par le général Chirimwami Kuba Peter, gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il a ensuite visité quelques positions de FARDC dans le territoire de Niragongo. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouvernement ad intérim et il continue sa mission de commandant des opérations.
Mais tout ce qu'il aura apposé comme dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le général Sika Bouifal, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. Après avoir donné les instructions, le chef d'état-major général des FARDC avec toute sa délégation sont descendus sur les positions avancées des FARDC en territoire de Nyiragongo pour remonter le moral de troupes déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême en mettant hors d'état de nuire les terroristes du M23-RDF. Plusieurs visites au sein des FARDC se poursuivent à Kalemi dans la province du Tanganyika. Après une visite d'inspection par le chef d'état-major force terrestre adjoint en charge des opérations et renseignements, c'est l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, qui arrive ce vendredi 3 novembre à Kalemi. Selon le porte-parole de l'IG FARDC, le major Bello, la finalité est de maîtriser les effectifs FARDC suite au contrôle physique systématique dans la première, deuxième et troisième zone de défense. L'inspecteur général est en mission officielle. La mission de contrôle physique des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans la deuxième zone de défense. Après la première zone de défense, on a été dans la troisième zone de défense qui compte la 31e, la 32e, la 33e, la 34e. Il a rencontré le gouverneur de province, Mme Julie Ngungwa Mwayuma, pour des civilités. Ça a été une occasion pour l'autorité provinciale du Tanganyika d'échanger sur la sécurité ainsi que de propositions sur l'accompagnement du processus électoral dans cette partie du pays. De là, l'inspecteur général des FARDC a ainsi visité l'état-major 22e brigade de réaction rapide, d'où il a assisté à un exposé tactique sur la situation globale des opérations Usalama par le général Duni Akashindi Fabien. Enfin, après un séjour de 48 heures dans la ville touristique du Tanganyika, l'inspecteur général des FARDC a poursuivi ses activités de travail vers Goma, dans le Nord Kivu. Les jeunes patriotes qui ont répondu présent à l'appel du chef de l'État commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'intégrer l'armée du côté de la base militaire de Kitona. Quelques-uns, après la formation militaire de base au centre d'instruction de Kitona, ont été choisis pour faire les cours de chef de section et adjoint chef de peloton. Le parcours a commencé à l'école des sous-officiers de Kitona pour chuter enfin en l'école d'infanterie où ils ont suivi une formation de spécialisation accélérée. C'était les jours consacrés au port de grade des sergents et d'adjudants pour ceux qui avaient réussi. Tout s'est passé devant le représentant du commandant groupant des écoles militaires spécifiques, les colonels diplômés supérieurs des enseignements militaires, l'IFULA, suivaient quelques impressions des lauréats. Oui, moi, je réponds au nom des sergents brigadiers de l'école d'infanterie, Onyamunga Lokadi Kides. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour nous. Aujourd'hui, c'est le jour de la remise de nos grades. Voilà pourquoi les gens sont dans la joie. Parce que nous l'avons tous reconnu dans nos grades. Ce que je peux dire aux amis qui n'aiment pas étudier, c'est comme ceci. Étudier, c'est une bonne chose dans la vie de militaire. Ça fait du bien quand nous sommes encore trop jeunes, nous sommes retrouvés devenus des sergents et adjudants. Nous allons descendre sur le terrain. C'est une bonne chose quand nous avons commandé ceux-là qui n'aiment pas étudier. Pour que ça puisse leur faire du mal dans leur cœur. Un petit garçon comme ça commence à me commander. En tout cas, ça fera plaisir pour nous et ce sera pitié pour eux. C'est vraiment une journée inoubliable. Bon,
Ici là, moi, je suis appelé diplômé breveté de l'école d'infanterie. Ici, nous sommes à l'école d'infanterie. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de joie. Aujourd'hui, c'est le jour de la remise et de nos informations avec la République démocratique du Congo. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sur ordre du chef d'état-major général de forces armées, le général d'armée Christian Tshilombo. Mes très sincères félicitations. Nous sommes ici, nous sommes adjudants, Peba Sergent. Ma commandant suprême, Bazarami Balé. Oh, il y a des gens comme on est là. Son Excellence, le ministre de la Bande, Le général d'armée Tio Essongessa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023, en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de l'UFARTC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective, comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées. Sa mission de contrôle physique des effectifs des militaires de forces armées, la République démocratique du Congo, dans la deuxième zone de défense, après Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, est arrivé le vendredi 3 novembre à Kalemie par l'aéroport national de Kayinda à bord de l'avion de la compagnie aérienne CAA. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le général de brigade Patrick Mbayo, le contre-amiral Bako Lenyongezili, le général de brigade Dunia Kashindi Fabien, respectivement inspecteur du corps logistique à l'inspectorat général des FARDC, commandant du 22e groupement naval et commandant place Kalimi, et commandant de la 22e brigade des réactions rapides et de l'opération Oussalama et leurs membres d'état-major. Aussitôt arrivé, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo a mené plusieurs activités. Il est allé présenter ses civilités à la première autorité politico-administrative de la province de Tanganyika, madame la gouverneure Julie Ngwangu Mwayuma. Il a tenu une réunion de travail avec tous les officiers de la garnison de Kalimi, du 22e groupement naval et de la 22e brigade de réaction rapide dans la salle de réunion de l'état-major du 22e groupement naval. Ici, il a ratifié l'objet de cette mission de contrôle physique des militaires. Il les a exhortés au patriotisme, à la conscience professionnelle, à l'apolitisme de l'armée et à l'esprit de corps. Il leur a demandé de bannir la pratique des antivaleurs, telles le tribalisme, les sentiments négatifs, la haine, la jalousie et la diffamation. Et il a prôné l'esprit de corps à l'état-major du 22e brigade de réaction rapide. Il a suivi religieusement un peu des situations sécuritaires et opérationnelles présenté par le commandant de la 22e brigade de réaction rapide, le général de brigade Dunia Kashindi Fabien, et a promis d'en faire rapport à la hiérarchie pour des solutions appropriées. La mission continue. À sa descente d'avion à l'aéroport international de la Loano, le lieutenant-général Sikamwe Asinda a été accueilli par le commandant adjoint de la deuxième zone de défense en charge des opérations, le général-major Pinto, qui était aux côtés du commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Eddie Kapen Irund, qu'accompagnaient ses adjoints, à savoir le général de brigade Mwakumboloko Daniel et le général Ngoi Mbuya Jack, respectivement en charge des opérations et renseignements, ainsi que celui de l'administration et la logistique. Le chef d'état-major de forces terrestres est dans une mission de travail dans le Katanga où il a présenté le nouveau commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Eddie Kapend, au gouverneur Jacques Kaboula Katwe,
civilité oblige. Il est venu présenter le nouveau commandant 22e région militaire, à la personne du général de brigade, Eddy Kapent. À matinée de ce jeudi, le lieutenant général Sikabwe Assindafal a présidé une réunion de coordination à l'état-major de la 22e région militaire. Il a pu suivre quelques explications aux côtés de ses compagnons d'armes. Les stagiaires de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont successivement effectué du 22 au 27 octobre 2023 des visites pédagogiques à la force terrestre, à la force aérienne, à la force navale et à l'université de Kinshasa. Dans les états-majors des forces, les stagiaires ont suivi des exposés qui ont essentiellement porté sur l'organisation, le fonctionnement et les missions assignées à chaque structure visitée. Après les différents exposés, un jeu de questions et réponses a clôturé la visite. À l'université de Kinshasa, par contre, une matinée scientifique a été organisée à l'intention des stagiaires et des étudiants sous les thèmes défense et sécurité de la République démocratique du Congo dans la géopolitique sous-régionale, régionale et internationale dans la salle Monekoso. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour enrichir le sujet. À l'issue des différentes interventions, le général-major Mouland Nawez Godefroid, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, a remercié le recteur de l'UNIKIN pour l'accueil chaleureux et pour le partenariat signé entre l'UNIKIN et l'école de guerre. À cette occasion, il a annoncé l'ouverture des Master 2 l'année prochaine pour les officiers qui remplissent les conditions. Étudiantes et étudiants, je tiens personnellement à dire merci. Monsieur le recteur, je ne cesserai jamais de vous remercier pour l'accompagnement et je sais l'engagement de votre part pour la matérialisation de la vision du commandant suprême et président de la République. Vous savez, depuis qu'on a signé notre partenariat, nous avons conjugué les efforts afin que cela soit réel. Et ma hiérarchie m'a chargé de réitérer ses voeux. Nous voudrions que, si pas cette année, l'année prochaine, que l'université de Kinshasa puisse ouvrir solennellement cette filière dans le domaine de défense et de sécurité. Ma hiérarchie, le commandant général des écoles militaires, m'a dit qu'il était disponible pour que les étudiants civils puissent étudier avec nos officiers dans nos infrastructures partout là où vous voudriez. Je profite de cette matinée scientifique pour réitérer mon vœu, monsieur le recteur, afin que nous puissions plaider chacun en ce qui le concerne auprès de sa hiérarchie ministérielle pour l'aboutissement de ces projets et qui sera bénéfique et rentable. Non pas seulement pour l'université de Kinshasa, mais pour toute la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Dans ce monde de circonstances, le professeur Kaye Mentumba, Jean-Marie, recteur de l'UNIKIN, a indiqué que le projet Master 2 des officiers sera opérationnel l'année 2023-2024. Il a également demandé aux jeunes étudiants d'intégrer en masse l'armée après leurs études. C'était avant de déclarer close la matinée scientifique. C'est d'organiser les grandes matinées scientifiques qui permettent à l'université d'aborder, d'analyser, de partager des questions d'actualité au niveau de notre pays. Faisant suite au partenariat qui nous lie à l'école de guerre de Kinshasa, nous avons invité cette dernière à venir partager avec nous de manière totalement scientifique et surtout échanger avec nous dans le domaine de ce qui est permis, échanger avec nous sur les grandes questions sécuritaires. C'est pour cela que l'université se retrouve totalement dans son élément. Le secrétaire général académique ayant renchéri pour dire « Pour la patrie, nous sommes prêts à mourir ». Mon général, je peux vous dire du côté de l'université, il y a eu plus que des avancées. Et je voudrais engager notre institution pour vous dire qu'à la rentrée académique 2023-2024, ce Master 2 verra réellement jour. Il en a encore été possible.
Une visite guidée a successivement conduit les stagiaires au home des étudiants nouvellement réhabilités, au complexe sportif de l'Ulikin et au laboratoire de la faculté des polytechniques. Apprenants, dont 10 militaires et 56 civils, ont reçu le vendredi 20 octobre 2023 leurs attestations de participation de formation en informatique au Centre supérieur militaire. La formation a porté sur la bureautique et le réseau. La cérémonie de remise des attestations a été présidée par le général de brigade Ilunga Diordier Donné, chef d'état-major du groupement des écoles supérieures militaires. Dans son mot de circonstance, le major José Balonga, secrétaire général du groupement des écoles supérieures militaires et un des responsables du centre de formation et recyclage en informatique, a remercié l'assistance tout en souhaitant que les connaissances acquises en informatique puissent accompagner le récipiendaire dans toute leur carrière. Prenant la parole, le sergent Mayele Pouati dit merci. L'un des apprenants et chef de la promotion a exprimé sa gratitude à ceux qui ont rendu possible leur formation en informatique, notamment le corps professoral. Il a également remercié l'honorable Tunda Kasongo Lukali Prosper pour avoir accepté de parrainer la 14e promotion qui a porté son nom. S'adressant à ses fiels, l'honorable Tunda Kasongo Lukali Prosper a exhorté ces derniers à mettre en pratique la matière apprise partout où ils seront. Il les a enfin félicités pour leur réussite. C'est de féliciter les jeunes qui viennent de terminer cette formation et que nous allons toujours continuer comme parrain. Si vous avez des difficultés, vous allez toujours recourir à moi et nous allons toujours vous soutenir pour que vous puissiez être une promotion parce que l'honorable Prosper Tunda, c'est un homme du changement, c'est un homme du développement. Donc nous sommes là pour soutenir le jeune qui veut l'émerger pour que le pays aille de l'avant. Comme je disais, que la vision, c'est de faire un Congo fort, prospère et uni. Je dis et je vous remercie. Arrêt avant du droit, une descente au bureau de l'état-major de la 14e région militaire située sur l'avenue des forces armées à Kinshasa-Gombe a été ordonnée le jeudi 26 octobre 2023 par la haute cour militaire. Celle-ci a eu pour objet de reconstituer les faits de la cause auditeur général ministère public contre le général-major Ilondo Ifondo Igo, ancien commandant de cette unité et consort, poursuivi pour détournement d'un véhicule militaire de marque CAS. Le lieutenant-colonel Mayombo Marcel, directeur intérimaire de la logistique à la 14e région militaire, a été auditionné comme renseignant et pour confirmer l'authenticité de la feuille de route par laquelle ce matériel roulant a transporté les marchandises d'un directeur civil sur l'axe Kinshasa-Kamba-Kinzaou au Congo central. Conduit par le prévenu en fuite, l'adjudant Mboula Saïdi, ce véhicule a connu un accident mortel le 4 mai 2022 à la hauteur du village Fumafuma où 6 personnes sont mortes sur le champ. Le renseignant, alors directeur adjoint, reconnaît avoir été informé de la survenance de l'accident du prévenu capitaine Mouyé Mali, chef de bureau maintenance à l'époque. Il a indiqué qu'il était envoyé par le général Ilondo auprès de son titulaire, le prévenu colonel Kimpembi, pour signer un document attestant que le véhicule accidenté était sorti de l'unité pour le rodage. Faut torquer le prévenu général jamais envoyé à la prison où se trouvait le colonel Kimpembi, a-t-il ajouté. Le ministère public a soutenu qu'il y a lieu de poursuivre par traduction directe le général Ilondo pour tentative de subornation des témoins. Musique.
isolé du reste du monde. Mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel. La République démocratique du Congo revient sur la scène internationale. Congo Yassika avec le président Félix Tshisekedi, un film documentaire qui parle des diplomaties, d'éducation, de santé, d'emploi, de sécurité, de bonne gouvernance et d'infrastructures en République démocratique du Congo. Congo Yassika, une production de l'agence MHV internationale en collaboration avec la cellule de communication de la présidence de la République, réalisée pour présenter la vision de Félix Tshisekedi, axée sur le développement intégré et l'amélioration des conditions de vie de l'homme congolais. Vos écrans. Tout de suite, le journal.